إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قيسك نيمان فبيك الله سبحانه وتعالى لفير بالنس الماء بالنس المال نبيسة تزور كونسا انبالي Et en vérité, pour tout bon parler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait au nom. En tant qu'un musulman, nous reconnaissons envers Allah subhanahu wa ta'ala, bon frère, bon soeur, qu'il a iman. Tout bon parler, qu'Allah azza wa ta'ala lui fait au nom. Peine un plus grand parler, qu'il est venu faire au nom, qu'il est venu guider nous vers l'islam. Et ça, c'est plus grand parler, qu'Allah azza wa ta'ala lui fait au nom, bon musulman et bon musulman. Et pour sa grande faveur là, nous visons toujours reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, l'idée de la surah Hujurat, Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum. Badla ban bidouin, je fais reconnaissant, je fais reconnaissant envers toi, pour l'islam qui je viens accepter. Qul la tamunnu alayya islamakum. Mais tu as banni la femme une reconnaissance envers moi pour l'islam qui je puis gagner. Banni Allah, yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui puis faire faveur à l'osul. Sa faveur à l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Les puis faire sa faveur à l'osul. Et ce l'islam qui je puis accepter là, c'est pas ce qui peut faire faveur à le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est Allah azza wa jal. L'infier sa famille à la lozote, car l'infier sont acceptés l'islam, l'infier sont vers l'iman. Bantre et bantre qui n'a iman, car l'infier accepté l'islam en vérité, c'est nous-mêmes les plus grands gagnants. Et sa famille à la, c'est une famille qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire au nom. Et c'est pas une famille qui nous peut faire envers les autres. Nous n'avons pas fait rendre personne service, nous n'avons pas aidé personne car nous acceptons l'islam et nous peut suivre l'islam comme religion. Mais nous reconnaissons, c'est l'islam qui nous fait suivre là. C'est une faveur que Rabbul Alameen est venu faire au nom. Rasulul Huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'idée d'un hadith, ayyuma ahli baytim min al-arabi ou al-ajami. Arada Allahu bihim khayran adqala alayhim al-islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un époux qui parmi. Qu'il soit parmi man aghab ou me bannu aghab. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les jibiens pour Banna. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait l'islam rentre parmi Banna. Alors reconnaît Banka et Banche qui a iman car nous et nos familles. Car nous et nos familles nous venons accepter l'islam, nous venons gagner l'islam comme religion. Et nous fait pratiquer l'islam, reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous les jibiens pour qu'il nous venons gagner l'islam comme nos religions. Et n'a pas d'espoir l'islam comme une formalité. Oui, notre connaissance comme un musulman, c'est un faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire au nom. Ou soit nous prenons connaissance comme un musulman, après nous venons accepter l'islam.
cette infamie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fiar au nom. Qu'il y soit nous prenons naissance comme un musulman ou soit nous fin prendre. Nous fin prenons naissance comme un non-musulman après nous fin accepter l'islam. Alors connaissez Allah subhanahu wa ta'ala qui fin nous laisse à Jibya là pour nous. Pour que nous fin famille par musulman et nous fin faire reconnaissance envers Allah azza wa jal. Pour sa famille qu'il fin fiar au nom là. رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لجال الحديث يا معشر الأنصار أو بن أنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي استموا بابين كوزر بن إقاري بن كان إقاري أرسلت الله سبحانه وتعالى أقرب يا مالي بن كوزر وكنتم متفرقين فألفكم الله بي أي زد سي بوبيي زد سي لا ديفيزيون بامي زد الله سبحانه وتعالى à travers moi, les filles rassemblées, je vois à la telle parna comme on l'a oublié. Je dis ban pour et par moi, Allah subhanahu wa ta'ala, les filles en russie, je tout la ma parle à chien, elle parle et à sa fakir à sur l'âme. Sallallahu alayhi wa sallam, fait si telle parvière. Alors, ban a fait reconnaître sa parvière là. Et nous rassemblons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y a aussi ban pré, ban chèque et l'aïman. Malgré qu'il s'est à travers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fin guide ban chémon. Allah subhanahu wa ta'ala, fin guide ban abita madina. Mais Rasoul al-Huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissance qu'il est là envers Allah azza wa jal, l'Iban adresse avec souvent le Sahaba en disant, qui c'est moi qui me guide zut, mais il fait pas ben la comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala qui me guide zut à travers moi. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est capable de former ben la. Mais si Allah azza wa jal, n'a pas si vous voulez guidance pour ben la paix la doute ben la, zut n'a pas si vous acceptez l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'idée d'un hadith, Touba liman hudiya lil islam, un place de jannat pour celui qui vient gagner la guidance vers l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith qui rapporte par Muawiyah, radiyallahu anhu, ban qayban shakil ayman, Muawiyah radiyallahu anhu, il fait cause concernant, ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in, comment Banna s'y reconnaît ça comme un grand faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah, qui Banna de s'y fait rassembler, pour qu'il se rappelle sa faveur là, c'est-à-dire se cause concernant sa faveur, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fin guide se vers l'islam, Banna et Banna s'y qu'il a iman, nous Banna musulmans, oui, nous venons à l'islam comme religion, mais seulement qui s'inquiète parmi nous lui pose une question combien de fois, nous descendons assisés pour qu'il nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa grande faveur qu'il est venu faire au nous là. Et combien fois aussi nous reconnaissons ça comme une faveur. On soit les minimes qui sont aussi formalités dans la vie. Nous prenons l'essence comme musulmans. Nous pouvons pratiquer ce qu'un musulman peut faire. Mais seulement nous ne pouvons pas reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand et grand faveur qu'il est venu faire au nous. Alors, ben, sahaba radiallahu anhum ajma'in. Je suis bien assisé, je suis rappel sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fin faire aux autres là. كما رفوت معاوية رضي الله عنه لجأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال لجأن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبن صوتي بامين قبس من صحابك تبعسزي أنقذ فقال ألو لبقبت صلى الله عليه وسلم بن دمان زد ما أدلسكم كيكي صوتي تزد رسامبلي كيكي صوتي تزد أسيز رسام قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام قالوا من صحابة رضي الله عنهم زد خفون رسول الله صلى الله عليه وسلم زد يلي جلسنا نذكر الله نبنا سيزيب وكينو باص الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام et pour qu'il nous reconnaissons envers Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour guidance qu'il est venu donner nous vers l'islam. Ban qayy ban shaykh il a iman, sahaba de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, je peux pratiquer l'islam pour ma visée, je ne trouve ça important, pour qu'ils soient assisés, je te rappelle sa faveur là, et je te remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il est venu faire aux eux, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin guide sur vers l'islam, wa man nabihi alayna, et je tiens nous faire remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ban faveur. Qu'Allah azza wa jal fin fi alounou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée avec souvent sahaba, Allahi ma adresakum illa dhal. L'idée c'est un malo, Allah subhanahu wa ta'ala iski. C'est juste ça qu'il fait, je t'assise.
C'est pour cette raison-là qu'ils se viennent rassembler pour qu'ils se pensent en l'âme. Et je rappelle, parmi les qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne vers les autres à travers l'islam. قالوا بل صحابة رضي الله عنهم ربنا والله ما أدرسنا إلا ذات ما لفسهم ولو ألم نجبنا نحن كفيل واسد اكسبت ساو رسول الله اكسبت فوق نمازين فبيك الله سبحانه وتعالى في الفيل ونو في السواسية نكون اكسبت الإسلام لبوك صلى الله عليه وسلم يجير أما إني لما استحلمكم تهمة لكم لبوك صلى الله عليه وسلم يجير Moi, n'a pas vu une personne, personnellement, à cause qu'il m'en a doute d'eux seuls. C'est pas à cause qu'il n'y a doute d'eux paroles sur un sahaba qui n'est qu'une demande. Pour personnellement, qui c'est sa raison pour laquelle je financisais pour cette machine. Ça va bien là. Voilà qu'il n'a moins atteint les Jibril. Mais seulement Jibril, allez, ni salam, qu'il vient vers moi. فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة من جبريل عليه السلام بن بن بيما فوقني أقوم وكلا سبحانه وتعالى لبموكلي فيه أو بريبان أنز فوق سأكسو كي زد في فيلا كي أكسو بان بريب إيمان سيكين إيمان أحسيز إيمان كلا سبحانه وتعالى لبن بن غفا بيالونو طالب إدنو فوقي نصبت الإسلام Et Rasoul al-Huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa pavira ban khay ban seki na iman nous n'accepte l'islam alhamdulillah nous visons toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous choisit à nous pour qu'il nous accepte l'islam et sa ban khay ban seki na iman sa pavira nous visons plus remercier Allah azza wa jal parce qu'il malgré elle passe nos papas mi ban arabe Nous n'avons pas que le langage arabe en général, mais Allah subhanahu wa ta'ala vient guider nous vers l'islam. Et connaît parmi les arabes, et parmi les gens qui connaissent l'arabe, malgré qu'ils ne sont pas comprendre l'arabe, Allah subhanahu wa ta'ala vient guider nous vers l'islam. Et comme ça même, combien de gens, Allah azza wa jal, les papins de nous, ça va bien accepter l'islam. Et si nous n'avons pas les gens qui nous viennent accepter l'islam, nous pouvons suivre l'islam. Alors vraiment reconnaître que c'est un pavé qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient faire au nom qui nous n'a pas dans notre religion qui peut amener ce monde vers l'enfer mais Allah subhanahu wa ta'ala vient aider nous pour qu'il nous soit fier comme nos religions une religion qui se bat la loi vient préparer par Allah subhanahu wa ta'ala une religion qui s'est meilleure ce monde qui vient enseigner nous se bat l'enseignement et c'est une religion qui peut amener nous vers Jannat ban pré ban chèque et d'animal Après qu'ils nous jouent à sa favela, après qu'ils nous reconnaissent que c'est une favela qui rend pour l'alamin, l'inférieur nous qui n'acceptent l'islam, c'est pour qu'ils nous visent faire, c'est pour qu'ils nous pratiquent nous l'islam. Parce qu'il n'est pas suffisant nous dire moi un musulman, il n'est pas suffisant pour nous dire on peut suivre l'islam, ou même on peut accepter l'islam comme nos religions. Mais bon frère, bon cher, quel est ce qui est plus important? C'est pas nomination qui peut faire nous venir musulman. C'est pas juste nous mettre avec nous qui peut faire nous venir meilleur musulman. Mais après qu'ils nous reconnaissent que c'est un faveur qui rend pour Allah même qu'il faire ou non. Car il peut choisir nous pour donner sa grand témoignage. La ilaha illallah. C'est pour qu'ils nous puissent faire maintenant. C'est nous verser pour qu'ils nous toujours pratiquent nous l'islam comme on disait. Et nous verser pour qu'ils nous toujours perfectionnent nous l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit la surah Ali Imran Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Oh ban kina iman ka'en bret taqwa pour Allah Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Et n'a pas visé excepté dans l'état qui est soumission à Allah subhanahu wa ta'ala excepté n'a pas visé mot excepté comme un musulman Ban fait ban chèque kina iman Ka Allah subhanahu wa ta'ala li fait au donnum Pour qu'il n'en a pas mot excepté comme ban musulman. Alors on connaît qu'après qu'il nous fait guerre à l'islam, et la possibilité de nous perdre ça à l'islam là. Et combien de monde comme ça, à un moment de cela, il accepte l'islam et il pratique l'islam. Ensuite, il fait recette l'islam pour qu'il soit tiré de notre religion. Ça aussi, il n'a pas fait, ban cher, qu'il a aimé fait la doute. C'est sa qualité de monde là même qui plie perdant parmi les gens de monde. C'est lui qui ne connaît pas bien l'islam. C'est lui qui ne connaît pas l'islam. Ensuite, au lieu qu'il est une ferme dans l'islam,
Les continuer pratiquer l'islam, les perfectionner sur l'islam, les quitter l'islam pour qu'il soit ciel notre religion. Malgré qu'il y en a les béatiques parmi les musulmans. Et ça, c'est une preuve que l'islam, c'est une religion de la vérité. Mais seulement, et la liban, vraiment, c'est qu'il a iman, et ça, c'est une autre façon encore. Qui vraiment nous reconnaît qu'Allah Azza wa Jal peut faire parfait à l'ONU. Car nous faisons l'islam, nous faisons pratiquer l'islam. Et nous encore peut pratiquer l'islam. Mais c'est pour qu'il nous puisse faire un frère, un chèque et un iman. Nous vivons avec sa réalité là qui nous capable de faire. Si nous n'avons pas fait des bons qui visent pour nous préserver. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakhin » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fais ibadat tu rab » Jusqu'à ce que l'amour vienne chez toi. Alors il y a une obligation de nous pour qu'il nous continue à suivre l'islam. Jusqu'à l'amour vienne chez nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru an yaqul » L'été Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'été fait faire sa doua là encore cité. Ya muqallib al-qulub, tabbib qalbi ala dini. Rasulullah Huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, oh, c'est lui qui détourne ban l'équerre, ferme l'équerre, tu n'y ferme le tout dit. Fakultu ya Rasulallah, Anas ibn Malik radiallahu anhu, l'été avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا او مساجد الله نبنا من ايمان دتوا et nous venons en iman de tous ceux qui te viennent avec ça. Est-ce que tu n'as la prière pour nous, au messager d'Allah? Est-ce que tu n'as la prière pour nous qui nous perdit sa dîme là? Allah, Allah, si bien Marie, prie ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui raison, ya Rasulallah? Vous pouvez dire ça doit là avec quantité, oh celui qui détourne dans les guerres. Fais-nous les guerres qui les verrent notre dîme. Comme si Anas ibn Malik n'a pas fait comprendre l'importance de ça doit là. Et comme si Khalid ibn Bin accepté l'islam et la garantie qu'il est pour moi comme un musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'idée na'am, inna quluba bayna usbu'ayn min asabi'illahi. Yuqalbibuha kayfa yasha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certainement dans les cœurs, il faut mettre les doigts, pour mettre les doigts Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il détourne les commandes, comme il y a envie. Ban frère, ban chèque, il y a iman. Si ça c'est la prière de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce ban sahaba, et pas n'importe qui sahaba, comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Maintenant, nous, l'époque qui nous perdit avec toute sa quantité de gamins là, avec toute sa quantité de fitna là, fait la doute qui sera prière là pour nous les plus. Et qui nous visent, tous les temps, prendre une précaution pour qu'il n'a pas perdu nos iman. Et rapportez pas un affaire. Rahimahullah ta'ala lui dire, qu'il est bin San Abdullah bin Omar, et qu'il est le Safa, il peut faire du'a lui dire, Allahumma inna ka kulta udruni astajib lakum. Abdullah bin Omar, lui dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, certainement que vous avez udruni astajib lakum, invoquement pour répondre. وإنك لا تخلف الميعاد certainement tu n'as pas qu'à se promettre mais oh Allah وإني أسألك oh Allah me fait demander toi كما هديتني للإسلام oh Allah me fait demander toi pareil comment tu viens guide moi vers l'islam Allah تنزع مني حتى تتوفاني وأنا مسلم oh Allah pareil comment tu viens guide moi vers l'islam me fait demander toi pour qui tu n'as pas rassasié moi jusqu'à qui m'aimo et qui m'aimo comme un musulman, oh Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban frère, ban chèque, il a iman. L'incos concernant ban qui finga le boussé à iman, ban qui finga le vrai bout de iman, disait le hadith. Thalatatun man kunna fihi wajada bihinna halawata l'iman. Et la trois qualités, c'est dans sa dernière personne, en vérité, il finga le vrai bout de iman. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سيبكي الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك نافور كسلم هذا يعني المسلم كي كنت الله إلي كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كي بل نزل وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلي كنت أن تسل فكنت لزيسا كو سلم وأن يقرها يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهم Et sa personne qui finit un vrai coup d'Iman là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa dîme, on a l'air à dégoût,
pour qu'il y retourne vers Kufr après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sauve les concours, comme Yakramu Ayyum et Rafafinar, pareil comme Alina Debou pour qu'il va dans cette village de l'enfer. Bakre et Bansek et Naïman, tout ça là, montrez-nous qu'il y a la possibilité après qu'un Simon Fingal l'islam comme religion, l'hyperdit sur l'islam s'il n'a pas pris compte sur l'islam. S'il n'a pas fait ses efforts pour qu'il pratique sur l'islam comme un bizarre, s'il n'a pas fait ses efforts pour qu'il apprenne le conseil à l'islam et il pratique ça l'islam là, et surtout il n'a pas fait ses efforts pour qu'il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ça l'islam là dans lui et la possibilité pour qu'il perde ça l'islam là et sa possibilité la bonne frère et bonne soeur qui est la iman. Attention, nous croyons qu'il n'a pas existé ça. Existe ban frère ban soeur qui est la iman. Vous connaissez combien de musulmans à ce motif, si à toi avec fitna internet, l'in bin ahdi, l'in commande qu'un doute toi Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qu'il n'y ait plus la iman ou Allah azza wa jal. Est-ce qu'il se pense mon qu'il perd son iman? Est-ce qu'il se pense mon qu'il perd son islam? Ou soit combien, si à toi ban jeune, si à toi ban jeune musulman et ban jeune musulman, combien pour ça il perd son iman? Et ça, c'est une réalité, ban frère, ban soeur, que la iman. Nous gagnons ça comme cadeau, l'islam, nous gagnons comme cadeau. Est-ce qu'il nous ban l'ennemi pour content, après qu'il nous gagne ça cadeau là avec Allah, ça va dire non. Connais qu'il nous l'ennemi, l'islam ou non. Et nous l'ennemi peut faire tout comme un tête d'auto pour qu'il nous perde sa faveur là. Et vive avec sa réalité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien nous connaît la Quran. N'a pas pensé qu'il nous l'ennemi content, non. Oh, si à tout toi, jeune musulman et jeune musulmane, n'a pas pensé qu'il est mis contre toi, non, l'ennemi n'a dégoût pour toi. L'ennemi n'a pas content quand tu fais la main. L'ennemi là, il n'a pas content quand tu n'as une bonne akhida. Il n'a pas content quand tu n'as une bonne fréquentation. Il n'a pas content quand tu pratiques son nom, son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Il est content quand tu viens parler, comme Ali. Alors, il fait tous ses efforts pour qu'il attaque toi, directement ou indirectement. Alors, ça même mal, mais mal, c'est qu'il a iman. Qu'est-ce que nous avons, c'est que nous avons jeunes, musulmans et musulmanes assortis, qui tendent à se faire prendre la vie, faire aucune différence entre la vie et le musulman et la vie et le kafir. Les contents pour qu'ils y mettent l'emblème kafir dans l'île. Les contents qu'on appelle les panneaux kafir. Les contents pour mettre un t-shirt et les non-kafir dans les jours. Les contents pour lui paraître comme un kafir. Sans qu'il n'y ait pas les comptes, l'ennemi finit attaquer indirectement. Il y a encore pétable sur l'estomac quand on va là pour craser ou rentrer la Palestine. Les Allah qui lui pétable sur l'estomac. Les provinciaux comme ça. Moi-même, l'Astor, mon papa est dominé avec l'Astor. Mais seulement quand vous êtes sur l'Iman, quand vous êtes sur la vie, quand vous êtes sur la vie, sur la pratique l'Islam, il y a un zéro dans l'Islam, il n'a pas connu rien dans l'Islam. Il n'a pas pratiqué rien dans l'Islam. Sur l'Islam, il y a une disformalité. Sur l'Islam, c'est l'Islam à tout le monde. Ça aussi, lui-même, il y a un monde pour être dans ma cible. Mais pour sortir premier du monde, c'est une vie ma cible là. Comme ça, combien de musulmans il y a? Qu'il y ait là non musulmans, musulmans, mais tout le monde là aussi, il n'a pas intérêt pour faire. Ban frère, ban soeur, qu'il a iman d'Islam. C'est un pavé qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire au nom. Alors qu'il nous préserve sa pavé à la part, prendre concernant l'islam. Nous ne sommes pas capables de pratiquer l'islam sans qu'il nous prenne concernant l'islam. L'islam, c'est un pavé. N'a pas pensé qu'il nous a dit pour ça, même nous ne sommes pas capables de pratiquer le frère, le cheikh et l'imam. Et si à tout prendre compte, nous l'ennemi. Grand-mère, tantôt 24 travail pour qu'il nous perde nos imam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à la surah Baqara. Les jawad kathiru min ahli al-kitab. Les jalambis qui beaucoup ban suivent et ban chrétiens et là. Law yarutunakum min ba'di imanikum. Si ban nati capable, fais je perdi je iman. Si ban nati capable, fais je retourne vers couvre avec je perdi la iman. Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala jammi hasadam min indi anfusihim. فَاسْتَعْلُوْزِي كَيْنَا دَبَدْنَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُمُ الْحَقِّ Après qu'il a vérité qu'il plaît avec Badla. Ban frère, ban soeur, qu'il a iman. L'islam c'est un pavé. Nous visons faire ses efforts pour qu'il nous pratique nous l'islam, pour nous préserver nous l'islam. Et si elle peut vivre avec sa réalité là. Si nos partenaires l'ennemi qui feront d'attaque nous. Si nos partenaires l'ennemi qui feront faire nous sortir en dehors l'islam. Nous disons des choses encore plus faciles. Mais ça c'est une réalité.
Et c'est même parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire test avec nous. Alors qu'il nous raconte, qu'il nous va l'ennemi, pas content nous. Nous va l'ennemi, il a des goûts pour nous, nous va l'ennemi, fait content. Pour qu'il nous vienne parler, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez la surah Al-Nisa. Ijawaddu law takfuruna kama kafaru. Fatakuruna sawa'an. Là, on vit qui va l'aïna. Qui se pousse, se fait coup, pareil pour un malin, qui fait coup. Alors, je viens de parler dans le Aya Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à conseiller à Moussik, wa waddu law takfurun, l'envie qui va la ina. Si je suis capable de faire coupe avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah en soit seul, ben, prévent, c'est qu'il a iman. L'aide-nous pour qu'il nous pratique l'islam comme un visseur. L'aide-nous pour qu'il nous fasse effort pour nous préserver l'islam. L'aide-nous pour nous apprendre concernant l'islam et lui mettre l'amour dans nos cœurs. Pour qu'il nous pratique l'islam dans ses vies, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fin mettre l'amour iman dans son cœur, fait la personne qui peut capable aussi. Mais quant à celui qui lui prend pour qu'il soit l'amour là dans son cœur, alors fait la doute qu'il a mis facile pour t'appliquer comme Allah en soi seul. لِيَجْعَلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ إِذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مِثْلِهِ إِيمَانَ دَاوُدَ لِفِنَابِيلِيَ تَدَاوُدَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ إِذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مِثْلِهِ دَاوُدَ pour couvre, pour ban péché, c'est-à-dire pour ban acte immoral et ban péché en général. Oh Allah, fais-nous une parmi ban, qui te fait mettre l'amour iman dans les cœurs et embellir sa iman là dans nos cœurs. Oh Allah, mettez-vous dans nos cœurs pour couvre, pour bid'ah, pour shirk et pour tout ban désobéissance. Oh Allah, oh Allah, aide-nous pour qu'il nous pratique l'islam comme un visage. Nous voulons ça l'islam là et pas nous dans l'état de satisfaire avec nous. Oh Allah, protège-nous contre le poste, protège-nous contre tous les gars manqués là. Apour le qawli hada, wa sab. اغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بنتي بن شاكر إيمان بابي بن غليشو الإسلام غليشو دي لابنتي إسألوا كالله سبحانه وتعالى في الكيد دي بها الإسلام ستن غفا بيه كي لفجوية دي لفوص رب بنتي بن شاكر إيمان Elle nous réalise que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'infer nous connaît des hadiths, c'est son ummah pour divise en 73 parties. Ensuite, il y a tout pour aller en faire excepté un seul. Quand on a fait des mains avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça elle n'a ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ma'an alayhi ou ashabi. Il y a ces bains qui peuvent suivre mon sahaba. Et c'est ban qui fait suivre moi, ban qui se close qui m'a envoyé mon ban sahaba, radiallahu anhum ajma'in. Frère et sœur qui n'a iman, l'islam c'est un favier qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire au nom. Et parmi les musulmans connaissent la division, c'est une réalité qui nous n'a pas pour capable de mentir. C'est un qui sont qui n'ont pas pour capable de passer dans la terre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une oulé dans sa façon là. Et nous rassurons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'informe nous qu'il est pour comme ça. Et quand nous avons la réalité vraiment comme ça. Ben frère et ben chèque qui n'a iman, il n'y a pas de plaisir pour les musulmans. Quand il trouve qu'il va les musulmans pour nous diviser. Mais seulement c'est une réalité qui nous a accepté. Et face à sa réalité là, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire parmi lui, c'est celui qu'Allah azza wa jal fait guider vers l'islam authentique. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait guider vers sa haine groupe. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit à qui tout bout d'un fait excepté un seul. Alors sa haine, c'est celui qui fait suivre l'islam d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'après compréhension de sahaba radiallahu anhum ajma'in. Alors si nous parmi les musulmans et nous parmi les qui nous gagnent sa vérité là, nous gagnent sa compréhension la même bonne frère, bonne soeur qui est l'aïman. C'est une grande compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Avant qu'il nous les fasse ses compréhensions dignes, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne n'importe qui sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit à l'hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din.
Et lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou les bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension des sodines. Alors si nous parmi ban qui nous fin guère sa compréhension là, qui pas tout musulman qui nous la guidance, parmi ban musulman et la qui dans les gamins. Et dans 72 groupes qui dans les gamins, il y a une seule qui nous la vérité. Alors qui nous reconnaît ça comme un pavé qui rompou l'alamin fait faire leur nom. Et reconnaît que c'est un grand pavé qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire leur nom. Et après qu'Allah a sauvé, donne nous sa connaissance là. Qui nous fait ses faux, ban frère, ban chèque et l'aïman pour qu'il nous serve un groupe qui la vérité là. Et nous suivre ça l'islam authentique là. Sinon, si nous n'avons pas fait ça, nous coutons dans les gammes, ban frère, ban chèque et l'aïman. Alors ça, c'est un pavé qui nous a toujours préservé. Nous vous a toujours fait ses faux pour qu'il nous préserve pour apprendre concernant l'islam. Bon. Si à sa connaissance avec ban, c'est la connaissance avec ban ulama. Digne de confiance, pas ban qui pour coquer nos iman. Pas ban qui pour ban nous à cause. Ben à cause, je n'y a pour ban dîner Allah subhanahu wa ta'ala non. Mais c'est ban qui pour inviter à l'islam authentique, c'est ban qui pour signifier nos l'islam authentique. Afin qu'il nous aussi nous capables de signifier nos l'islam de la vérité. Ban frère, ban cher, qui est la iman. Parmi ban conseil qui est Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les bins donnent nous pour qu'ils nous préservent dans l'islam, pour qu'ils nous perfectionnent dans l'islam, c'est un grand conseil. Et à ce aussi, quand beaucoup de musulmans et musulmanes, je ne peux pas prendre ce conseil-là en considération, ça vient moyen pour qu'ils se tournent dans les gamins et se délestinent de la vérité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'idée d'un hadith, min husni islam il mari tarukuhum ala ya'ni, l'idée c'est qu'il faut une partie. Un meilleur islam d'une personne, c'est une personne qui quitte quelque chose qui n'a pas concerné. Ban frère, ban sœur, que l'Iman a sorti. Si chaque musulman et chaque musulman, si qu'on se dévoie envers son dîme, qui nous responsabilité, le salafié là, c'est apprendre concernant nos dîmes. Nous visons une haine qui nous assoit la connaissance. Nous visons une haine après qu'il nous gagne connaissance pour qu'il nous mette en pratique. Ban frère, ban cher, qui est l'aimant, est-ce qu'il nous souprenait l'état pour nous gaspiller? Mais à ce aussi, on trouve beaucoup de musulmans et musulmanes qui vivent dans tout qui fait. Parce qu'ils laissent les mêmes concernés avec ban qui sont qui pas concernés. Et c'est ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'examen husni islam il mari, c'est qu'ils font partie d'un bon islam d'une personne, d'arrokoho, mala ya'nihi, qui quitte ban qui sont qui pas concernés. Pas autour, si à tout le monde réseau social, autour grand discussion concernant l'islam, grand débat concernant l'islam, grand issue concernant l'islam. Mais c'est un mon opposé question, oh tel, qui sont qui parase pour laver café oiseau, et la possibilité de ne pas capable de répondre. Si vous allez, qui sont qui parase d'un amant, qui sont qui pilier d'un amant, qui sont qui raté d'un amant, qui sont obligé de faire ça, sa route. Qui sont si vous ratez dans la main, ça ne sera pas vous pouvez aller. Ban frère, ban sœur, qui est l'imam, beaucoup parmi man, qui peut faire grand débat, le Facebook, si pas le WhatsApp ou bien n'importe qui côté. Si vous posez ban 5 questions qui viennent obligation, l'autre, tous les jours, 5 fois, pas un jour, pas des jours, on trouve qu'ils ont fait la réponse. Est-ce qu'ils ne sont pas ban? Qui sont qui sont qui concernent eux? Pour qu'ils se trompent dans ban qui sont qui n'ont pas concernent eux? Et si à tout concernant au mal, c'est à tout ma question concernant Oumma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en général, et qui, l'inapa concerne nous ce travail des bal ulama, pour qu'ils se sentent le bien dit nous là, ce autour de Wanchemon, l'inyantigit pas, l'inyantigit pas là, arabe fini, arabe qui par contre cause, il cause anglais, Zimon bizan radia pour lui, mais là aussi il est pour cause grand va causer dans l'islam, comme s'il est même plus grand alim que dans le monde, arabe qui par connaît seulement, arabe qui par connaît. On a dit pas qu'on connaît, mais seulement les propose grand causé dans l'islam. Ban frère, ban cher, qui est l'aïman, qui sont les types obligatoires? Est-ce qu'il est pas obligatoire au moment pour moi en arabe, si vraiment moi je cause concernant l'islam? Est-ce qu'il est pas obligatoire au moment pour moi en Coran? Est-ce qu'il est pas obligatoire au moment pour moi en ban la loi concernant oiseau? Ban la loi, il pas concerne au moment, ça lui concerne moi ça. Maman ibadat il repose au oiseau. Maman ibadat il repose au salamand. Est-ce qu'ils vont faire du bien ou bien vont pas faire du bien? Alors, ban frère, ban cher, qui est l'aïman, l'islam n'est pas difficile. L'islam n'est pas compliqué. Si y a tout ça, ban ibadat qui farasse dans nous là.
attrape sa peau, commencez par nous aqida. Et par nous l'amas, et par les autres ibarat, attrape sa peau. Doucement, doucement, tigui, tigui, puis dans le monde, on compte à l'islam. On peut continuer à faire ses efforts pour apprendre concernant l'islam. Et on va dans l'action qu'on peut pratiquer. On peut continuer à augmenter pour qu'il augmente l'iman. Et ça montre au ferme que l'islam. C'est de cette façon-là. Barbe et Balser, qui est dans l'iman, qui l'a mort pour une jeune ou pour faire une chose à la subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons avec l'iman. Mais si nous venons, qui va une obligation nous délaisser. Ensuite, nous faisons cause grand, grand causé dans l'islam. Et là, c'est mon namaz, c'est pas fait seulement. Les connaît les tels arrivent, sans sur les rois, le calabre des hommes, le calabre des hommes, tous les connaît. C'est mon namaz obligatoire dans l'islam, il faut qu'on connaît. Tous les connaît. Là, ça va là, le bandir, le talagay dollar, le talas pagay pound, tous les connaît. C'est quelque chose qu'il faut qu'on connaît, c'est mon simple namaz obligatoire. Bonne frère et ma soeur qui est l'aïman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous. La compréhension de nos dîmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous reconnaître que vraiment c'est un faveur qui nous peut suivre. C'est un faveur qui, parfois, nous pas parler comme un faveur, ni une informalité dans la vie. Alors qu'il nous reconnaît à chaque fois, guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un faveur qui nous fait nous. Guidance vers l'islam, guidance vers le groupe de la vérité, guidance vers l'islam autant que c'est un faveur. Alors garde sa guidance à Dalla, mais il faut toujours faire ses mots. Pour nous apprendre concernant nos dîmes, nous pratiquons nos dîmes, nous continuons à faire progrès dans nos dîmes, mais n'a pas fait ça erreur, nous quittons quelque chose qui est obligatoire ou non. Pour nous mettre nos nénés dans quelque chose qui n'est pas obligatoire ou non. C'est une grande raison qui n'est pas concernant nous. Ça, au lieu qu'il pouvait nous perfectionner, amène perfection dans l'islam. Ça, pour faire nous détériorer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, qu'Allah rabbul alamin augmente nos iman, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne la vie avec iman. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك